Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Winamax Football Club. Ravi de vous retrouver les copains en ce joli mercredi, très chaleureux dans tous les sens du terme. Il fait très très chaud dehors, dans vos cœurs aussi on l'espère. Pour m'accompagner pendant cette émission, Elton Mokolo, ça va Elton? Ça marche mal, ça marche mal. Ouais, c'est très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mercredi et content d'être avec les Winamix, content d'être avec Yanis, que je n'avais pas revu depuis l'Euro. C'est vrai. Depuis l'Euro. Content ouais. d'être avec toi. C'est vrai. Voilà, c'est un line-up un peu particulier, mais il y a de la qualité. Voilà. Exactement. Il y a de la profondeur de banc. On est en milieu de semaine. Il y a de la profondeur. On s'approche de la fin de la trêve internationale. Ouais. Donc on est dans un très bon état d'esprit. Exactement. C'est Yanis. Le plus important. Ça va Yanis? Ça va très très bien. La dernière fois que j'ai vu ce monsieur, c'était au grand quiz de l'Euro en finale. C'est pas faux. Face à lui. J'étais déjà là. Et ça va bien, on est en train de recharger les batteries, parce que pour moi, la trêve internationale, ça sert surtout à recharger les batteries. On regarde pas tous les matchs, pas vous mentir. Ça permet... T'as regardé la France? Oui, bah oui. Quand même. Ah bah oui, évidemment. En plus, c'était à la maison. C'était à la maison, KB9, KB19. T'étais l'hôte. Ah oui, c'était chez moi. T'as dressé les couverts. J'étais comme Jean-Michel Aulas, tout le match, j'étais comme ça devant la télé avec mon maillot. Un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans pendant toute la soirée, t'es avec son maillot 19. Il a pas bougé. Ah, c'était trop chaud. Et dans ces moments-là, on a envie de lui faire un gros câlin. Ouais, dans d'autres moments, un peu moins. Ouais, dans d'autres, non. Salut à Big Hughes, mon copain. Ouais, j'ai raté le ding-dong. Par contre, juste un truc, Big Hughes. Moi, j'aime bien. Walid me saoule en ce moment avec son Fabu Bleu. Avec la boisson des Schtroumpfs. Il nous prend la tête. Vous n'êtes pas obligé de surenchérir. C'est ça que j'ai envie de te dire, Big Hughes. Parce que tout à l'heure, j'étais mort de rire devant le truc. Ouais, on va faire un petit aparté. Un petit point, après bleu. Mais le Trivial Poursuit, dans le centre commercial, que je ne vais pas nommer, il est incroyable. Il ne faut plus le refaire. Ça va devenir récurrent, si on le refait. Et sur le Fabu Bleu, très bonne boisson. Hein. Mais très honnêtement, je ne suis pas loin de penser que le Innocent Chéri est meilleur. Non, mais le coco. Je ne suis pas loin de penser que le Chéri est meilleur. Ah, la cerise? Non, cerise, non, entre autres. Ça m'écœure, moi. Tu l'as goûté? Ça m'écœure. Hein? Tu l'as goûté? Le chéri, non, mais Ah, mais le coca chéri, par exemple, j'arrive pas. Mais non, mais tu compares pas ça à coca chéri. Ouais. Trop lyonnais sur le plateau, nous dit Marcotti. Je sache que je suis neutre et que Yanis est madrilène, donc il n'y a absolument rien à voir. Il n'y a pas de lyonnais dans cette. Ah, c'est Saint-Priest en France. Sophie, il n'y a que moi qui a grandi à peine de Gerland. Il a quoi, mon t-shirt, Yael? T'aimes pas? Salut à nos amis que je vois dans le chat. Marwan, j'ai vu Big Hughes, bien sûr. Eitan, Marcotti, que j'ai cité. Yael, bien évidemment. Ceux qui nous rejoignent sur YouTube, le petit pouce, comme vous avez l'habitude, et ceux qui sont sur Twitch, on vous dit bonjour également, parce qu'il y a du monde. Bien joué, Gomme Bingo, tu précises, excellente interview de Gastien. Elle est disponible sur la chaîne YouTube, en podcast audio aussi, les copains. Pascal Gastien, Clermont Foot, du jeu, du football, l'Argentine, Thomas Bonavent, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Mais c'est une avancée pour le WFC. Bien sûr. Continuer d'interviewer les acteurs du championnat, c'est très important. Et on est, tout à fait. On veut leur donner la parole, parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, on n'est pas fermé. On aime bien écouter les protagonistes. Bien évidemment. Et ça en annonce d'autres. On demande à écouter les protagonistes. Ah bah évidemment. Et ça en annonce que ça. Sofiane est en discussion avec l'entraîneur de la Roma notamment. Ça va bien se passer avec José. Les grands esprits. Un meringue qui dit merengue. Je dis à chaque fois meringue. On attend l'interview de Comboiré. Sache que merengue, c'était le sujet juste avant de rentrer en émission. On était en train de se demander si Comboiré en interview, on arriverait à aller le chercher. On préparait les questions pour être honnête. Est-ce qu'on faisait 40 minutes? Parce qu'en gros, nos interviews sont de 40 minutes. Ou est-ce qu'il nous cassait la gueule avant? Ou est-ce qu'il nous pétait la gueule avant? Je pense qu'il nous pète la gueule avant. Et après, il fait l'interview. Non, ce qu'on disait, c'est que si on avait la possibilité d'interviewer un coach avec lequel on n'était pas en accord, parce que jusque-là, on a fait la famille. Ouais. On a fait Furlan, on a fait Gastien. On a fait Giroud, tu vois, c'est tranquille. Ouais. S'il y avait un coach avec lequel on n'était pas d'accord et moi je serais chaud pour l'interviewer, c'est Bruno Genesio. Mm-hmm. Sans blague. Hein. Le message est lancé. Bien sûr. L'appel est lancé. Si tu nous regardes, Bruno. Je suis sûr que le service comme de Stade de Rennes va lui passer l'extrait. Avec grand plaisir. Moi je vais vers Bruno Genesio, bien sûr. Mais Genesio Comboiré, on prend. Mais totalement. Les deux ensemble, tu veux dire? Non. Un check. Ouais, on va se calmer quand même. Le sommaire de cette émission, les amis, Rosendar qui nous parle de Rudy Garcia. Bon, pareil, hein, on prend aussi. Hein, mais ça va me titiller un petit peu plus. Memphis, Pays-Bas, on parlera de Memphis qui a mis un triplé hier, bien sûr, sous l'angle personnel. Voilà, est-ce que Memphis, c'est un nouvel homme, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes surpris de sa stature, de la stature qu'il prend aux Pays-Bas après la retraite de Snyder? C'est lui le nouveau taulier de cette équipe. Est-ce que vous êtes surpris par ça? On en parlera tous ensemble, bien sûr. Memphis, Barça aussi, dans le même
la même zone. Voilà, on restera dans la causerie. Est-ce que Memphis peut amener le Barça à une place où on n'imaginait peut-être pas en avant-saison avec les départs de Griezmann et Messi ? Je parle du titre, bien sûr. Ils sont troisième favoris, au moins le podium, mais le titre, est-ce que c'est une possibilité avec lui ? Camavinga qui a signé, enfin, il a déjà signé, mais il a été présenté aujourd'hui au Real Madrid. Est-ce que c'est un truc, un transfert qui vous intéresse ? Est-ce qu'il va avoir sa place ? On verra que les trois, là, Casemiro, Modric, Kroos, ils en ont tué hein, au milieu de terrain. Ah oui. Est-ce que notre international français va se faire une petite place dans le 11 ? On l'espère. Les photos de la présentation sont magnifiques. Ah oui. Est-ce que ça va s'arrêter là ? C'est ça. On verra. Cop Winamax spécial Memphis à la fin de l'émission. Il y aura des free bets à gagner. Et dans la semaine, très probablement, on vous fera gagner des places pour Lille-Lens. Voilà, en salon. Pas ce soir. À Lille ? Pas ce soir, à Lille. Ce sera pas ce soir, mais préparez-vous à du Lille-Lens en salon. Très franchement, moi, j'y vais mille fois. Très beau match. Hein. Les derbies. Très beau match. Bien sûr. Derby du Nord en plus, moi j'aime bien. C'est le bien deuxième sûr. Plus grand derby de France, pour moi. Mmh. Derrière. Après bon, ça se discute en termes de niveau aujourd'hui. Il allait dire le derby de la Garonne. Bien sûr, mais je parle des gens. Un derby, on ne parle pas de niveau. Il allait parler du derby de la Garonne à la première. Oui, bien sûr, évidemment. Ça se lance des pulls. Ça, c'est pas beau, ça. Sur les épaules, ça les détache et puis ça se les lance. Sofiane. Ah, le derby de la Garonne, c'est de la folie. Je t'emmène avec moi au derby cette saison. D'accord. Je parle du derby. Hein. Bien sûr. Très bien avec moi. Ben, on ira. Allez, on parle tout de suite de Memphis. Ça fait plaisir à la causerie. Et on va vous faire participer, bien sûr, les amis, dans le chat, les Winamis, sur YouTube, sur Twitch, sur winamax.tv, Léo Landreau, qui est là également, que je n'avais pas vu. Voilà, il y a du monde. Bon, pour un jour off, ça va. On va monter petit à petit en puissance. On va essayer d'arriver à 200, 250 en live. Ce serait pas mal, les amis. Memphis, triplé hier. Il a rejoint Johan Cruyff, quand même pas mal, dans la liste des meilleurs buteurs de l'histoire des Pays-Bas. On reste sur Memphis, l'homme, la sélection. On passera à Memphis-Barça tout au long du petit à petit dans le débat. Est-ce que globalement... Voilà, première question, le chat, vous pouvez répondre, vous devez répondre. Est-ce que son statut de taulier, son nouveau statut, est-ce que ça vous surprend ou pas ? Oui ou non, dans les différents chats, oui ou non, vous mettez, ça sera pris en compte, bien sûr, dans le sondage. Est-ce que vous êtes surpris par l'évolution ? Bah déjà, on a ouvert de nouveau un livre entre Memphis Depay et Louis Van Gaal. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, Depay est le petit nouveau de la sélection. Louis Van Gaal arrive et petit à petit, il l'intègre au point que Memphis Depay est la révélation côté néerlandaise. Donc, c'est un petit joueur, entre guillemets, un joueur en devenir qui était pourvu de grosses qualités aux Pays-Bas. Tout le monde le savait. On savait qu'il allait devenir un très grand joueur, mais patience. Donc, c'était un joueur qui était en devenir. Là, on le retrouve 7 ans plus tard. On voit un joueur qui est définitivement mature, un joueur qui est définitivement installé dans le paysage européen. Et c'est un joueur qui est aujourd'hui leader de la sélection néerlandaise. Donc, quant à la stature qu'a Memphis Depay, c'est indéniable qu'aujourd'hui, oui, c'est un joueur qui est différent de 2014, par exemple. Continuez à répondre, les copains, oui ou non. Est-ce que vous êtes surpris par ce que fait Memphis en termes de stature ? Regardons une stat, justement, de Memphis Depay. On l'a dit, 33 buts en sélection, en 71 sélections. Il est plutôt en train de rattraper le retard. Là, il est sur des séries assez impressionnantes. Il est à égalité avec Johan Cruyff. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yanis, qu'il a vu évoluer à Lyon, notamment, sur sa stature, son nouveau... On parle bien de son aspect taulier avec la sélection nationale, ici. Hein, on est bien d'accord. Sûr. Bien avec sûr, la sélection nationale, la question, la réponse, surpris par son statut de taulier, pour moi, c'est non, pas surpris. Parce que ce n'est pas le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone, même si ça ajoute encore plus d'épaisseur à son dossier. De standing, De standing, qui fait que Memphis Depay est un taulier de cette sélection, parce qu'il l'était déjà bien avant et qu'il l'était déjà... Quand Coman était déjà le sélectionneur de cette équipe hollandaise et qu'elle renaissait de ses cendres et qu'elle retrouvait un jeu chatoyant, une équipe compétitive, parce qu'on sait qu'ils viennent, ils sortent d'une période très difficile, les Pays-Bas, ouais. Et ben c'était déjà Memphis Depay qui était le taulier, ou en tout cas le taulier offensif, parce qu'évidemment on va respecter Virgil van Dijk, par exemple, derrière, qui malheureusement s'est blessé ensuite. Donc déjà, avant même que De Boer reprenne l'équipe, c'était déjà le taulier offensif, c'était déjà la tête d'affiche offensive. Et dans un pays où on a souvent mis la part belle aux attaquants, aux individualités devant, il était le joueur qui ressortait le plus, le joueur avec le plus de charisme. Je ne suis pas sûr, mais je crois le vice-capitaine derrière Virgil van Dijk. Donc c'était déjà un joueur avec une certaine... Wijnaldum est devant aussi. Wijnaldum, effectivement. C'était déjà un joueur avec une certaine stature et avec un rôle de taulier offensivement, dans le jeu, médiatiquement aussi. Donc il y avait déjà beaucoup d'attentes. Il répondait déjà aux attentes parce qu'il était déjà performant et leur parcours de qualification à l'Euro plus leur parcours en Ligue des Nations
il est aussi déterminant. Donc, je ne suis pas surpris par son statut de taulier avec les Pays-Bas, avec la sélection nationale, parce qu'il l'était déjà. Et en fait, il ne fait que le confirmer. Et comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, juste en étant dans un club plus prestigieux, dans un des plus grands clubs du monde, ça rajoute de l'épaisseur à son dossier et de la stature à son parcours. Mais honnêtement, je ne suis pas surpris. C'était déjà le cas. Messieurs Sofiane, messieurs Yanis, messieurs, dames, les Winami, on est sur le sens de l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, France Football, avec notamment un article de Thierry Marchand, l'a annoncé comme le joueur de la décennie à venir. On est dans cette décennie-là, à savoir que c'était le joueur des années 90 qui est annoncé comme le joueur le plus important. Il se trouve qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa carrière, le passage à Manchester United, où il a été dans un contexte qui a été compliqué parce qu'il s'est retrouvé jeune dans un club qui n'était plus un club de standing important au niveau de l'Europe. Il a perdu du temps et donc il a dû se relancer du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais sa qualité brute, on la connaissait. Maintenant, on a un joueur qui est définitivement épanoui, que ce soit avec les Pays-Bas, que ce soit avec le Barça. Bon, même si on est encore sur un petit échantillon, mais à côté de ça, on est sur un joueur qui est définitivement dans la pleine mesure de ce qu'il doit montrer. Tiens, il y a Temporex 32 sur Twitch qui nous interpelle, qui nous demande, j'aimerais savoir pourquoi Memphis était autant traité de surcoté en Ligue 1, ou en tout cas il y avait des doutes, moi je suis d'accord avec lui, et que les Français disaient qu'ils n'avaient pas le niveau pour le Barça. Est-ce que vous avez une petite... L'étiquette PL Reject qui colle, parce que effectivement c'est... c'est resté encore le Manchester United. L'échec dans un grand club. Exactement, en fait. Parce que c'est quelque chose qui a dû effacer Mohamed Salah, c'est quelque chose qui a dû effacer Kevin De Bruyne, c'est quelque chose qui a dû effacer Romelu Lukaku, qui va essayer d'effacer avec Chelsea. Et donc, ça a collé à Memphis Depay, parce qu'il arrive, il ne faut pas oublier, il prend le numéro 7 à Manchester United. Ça ne marche pas. Donc, dans l'impact visuel, c'est resté. Et donc, il arrive du côté de l'Olympique Lyonnais, et il y avait un décalage entre le Memphis Depay qui se voyait déjà au Real Madrid, dans les gros clubs, et le Memphis Depay qui est un joueur qui, je parle sous votre contrôle, au début, il n'était pas forcément titulaire dans le Lyon de Genesio. Donc, il a fallu qu'il rattrape son retard, il a fallu qu'il se fasse à l'idée qu'aujourd'hui, par rapport aux aspirations qu'il a, il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il se réinvente, parce qu'il y a une mue tactique, une mue du joueur qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est complètement différent de l'ailier virevoltant du PSV Eindhoven, de l'ailier entre guillemets intermittent du côté de Manchester United. Ça n'a rien à voir avec 2015-2016. Une déclaration de Ronald Koeman ce matin, Elton, tu me l'as envoyé dans Sport. C'est quoi, c'est un quotidien Sport ? Quotidien Sport. Ok. Faut savoir en que Espagne, Ronald Koeman a accordé deux interviews donc aux médias catalans Mundo Deportivo et Sport, et donc il y a une déclaration sur Memphis. Memphis va marquer l'histoire du Barça. En tout cas, on lui demande. Il dit sans aucun doute, il possède une chose essentielle pour réussir au club, la personnalité, le caractère. Ce côté un peu, parce qu'on le connaît, hein, Yanis, un peu égotri, peut-être brûlé, rappeur, sûr de lui, ça a agacé pas mal d'ailleurs, même à Lyon. Il a laissé une image mitigée, en témoigne la banderole pour lui dire au revoir sur une feuille A4 avec du stylo. Ouais. Est-ce que ce côté tête brûlée, égo, finalement, ce n'est pas sa meilleure arme aujourd'hui ? C'est même sa meilleure arme dans sa carrière de manière générale. Parce que comme tu l'as précisé tout à l'heure, il a un parcours tumultueux. Ça n'a pas toujours été souvent sur ce genre d'espoir, parce que tu l'as rappelé, c'était un grand espoir, un crack du football européen. On attend qu'il y ait une progression linéaire, classique, et qu'on arrive au top sans trop d'embûches. On va prendre un Mbappé, un Haaland. Lui, c'est pas du tout ça. Lui, son premier gros transfert à Manchester United, c'est un gros échec. Et à ce moment-là, tout son statut de grand espoir, son statut de grand talent, il est remis totalement en cause. Et quand tu dois repartir un peu plus bas, parce que Lyon, c'est évidemment en dessous de Manchester United, que là-bas, les débuts soient un peu irréguliers, que tu te fais une grosse blessure à ton meilleur moment, les croisés quand même, il faut le rappeler, le parcours, il est comme ça. Mais quand tu as un parcours tel qu'il l'est, que tu es autant exposé médiatiquement, le fait d'avoir cette personnalité, d'être sûr de soi, d'avoir une personnalité très très forte, ça t'aide à ne jamais douter et à être capable de savoir qu'au final, lui, son objectif, ça a toujours été de retourner dans un très grand club et de montrer ensuite dans ce très grand club, alors ça fait que 3 matchs, mais pour l'instant, il le fait, mais c'est que le début, de montrer qu'il est à ce niveau-là. Et je pense qu'effectivement, cette mentalité, ce caractère, ça l'aide énormément dans ce cas de figure. Et on va prendre un cas opposé, ce sont deux opposés. Par exemple, c'est ce qui a été souvent reproché, il y a des caractéristiques techniques évidemment qui sont différentes et qui, je pense, aident plus Memphis que Griezmann, ce qui a été reproché à Griezmann, d'avoir pas assez de caractère sur le terrain.
pas rejugé dans le vestiaire ou autre, d'avoir pas assez de caractère sur le terrain, pas assez de personnalité et de pas assez s'affirmer dans l'aspect créatif, dans l'aspect d'être sûr de soi, de vouloir faire des différences offensivement. Même Fils de Paille, il va tenter des choses, il va en rater, mais il va tenter, il va être constamment dans la personnalité extrême footballistiquement. Et c'est une grosse force, je pense, dans un club comme Barcelone qui en a besoin encore plus avec le départ de Messi. Sur la soirée d'hier, on va vous montrer un petit code killer, les amis, avant de passer à Memphis-Barça, parce que ça peut être aussi intéressant pour la suite de la saison. Pays-Bas-Turquie, hier triplé, on l'a dit. Bravo à TTPR qui avait 10 euros, comme ça. Ah bah bravo. Sur la cote à 19, 190 euros de gains. Bien sûr, je vous le rappelle, pariez doucement si vous pariez. Ce sont des gains. Il y a aussi des perdants, évidemment. On n'essaie pas de vous attraper. Faites très attention avec les paris sportifs si vous pariez, bien évidemment. Voilà. Sur Memphis-Barça, on va afficher les cotes, tiens, du Barça, champion. C'est le troisième favori. Le Real Madrid, favo, 2-10. Okay. L'Atlético de Madrid est à 3,75 et le Barça à 4. Est-ce que ce que fait Memphis dans ce début de saison au Barça, c'est en train de revoir ton jugement sur la possibilité d'un titre pour le Barça cette saison, Elton? Non, pour l'instant, je reste... Tu restes sur Atlético, toi, c'est ça, non? Exactement, je reste sur Atlético parce que déjà, on est sur un sport collectif et le Barça a des problèmes collectifs. Et donc, par rapport à ça, l'avantage de Pay, c'est qu'il a réussi à apporter quelque chose. Il faut savoir que Barcelone est en dépression footballistique, notamment depuis le départ de Lionel Messi. Et lui, il t'apporte quelque chose, à savoir qu'il est imperméable à toute cette dépression. Et ça, ça peut être quelque chose sur quoi peut s'appuyer le Barça. Mais maintenant... comme il a été évoqué par Habib Diallo qui a dit que c'était que 3 matchs, il faut savoir comment Memphis Depay va réagir sur toute une saison et comment le Barça va réagir de manière collective. Aujourd'hui, la structure, l'historique, les performances penchent clairement en faveur de l'Atlético de Madrid, alors que du côté du Barça, on est en rupture par rapport à ce qu'on a connu, précisément parce qu'on a perdu Lionel Messi, parce qu'on a aussi perdu Antoine Griezmann, et ça, je veux insister là-dessus parce qu'on peut mettre toutes les critiques sur Antoine Griezmann. Moi, je n'oublie pas que Lionel Messi et Antoine Griezmann sont les deux meilleurs buteurs du Barça la saison dernière. Donc ça, c'est un élément quand même à mettre en avant pour évoquer le Barça 2021-2022. Et c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, le Barça n'est pas le favori par rapport à l'Atlético de Madrid, qui pour moi est le favori absolu, et le Real Madrid, qui reste le Real Madrid. Yanis, t'en penses quoi, toi, de Memphis dans ce Barça et de la possibilité d'aller chercher un titre? Est-ce que tu es plus rassuré déjà? Par rapport pour le FC Barcelone? Ouais, pour le FC Barcelone, par rapport au début de saison. Alors après, on va faire attention, c'est que 3 matchs, que 3 journées. Mais évidemment que le fait d'avoir un Memphis déjà dans son assiette et offensivement productif et créatif, c'est plutôt rassurant parce que, en fait, le Barça va avoir énormément besoin de lui. Je pense très clairement que ce ne sera pas suffisant pour le titre. Hein. On pose la question, est-ce que pour vous, Memphis au Barça, c'est fiable sur toute la saison? Ce ne sera pas suffisant pour le titre. Et Memphis qui doit porter une attaque, il l'a déjà fait, à l'OL notamment, mais dans une finalité qui n'a pas été le titre et dans une concurrence qui est tout autre normalement. Donc en Liga, j'imagine mal le FC Barcelone dans une saison, on va dire post-traumatisme du départ de Messi, j'imagine surtout le FC Barcelone, évidemment sans trop de problèmes, finir dans le top 4 et se qualifier en Champions League pour une saison dite de transition, même si les ambitions sont toujours là au FC Barcelone, et à Memphis Depay montrer qu'il a sa place dans un aussi grand club, prendre le relais de la créativité statistiquement, mais aussi de la créativité, parce que c'est pas un joueur qui va seulement marquer des buts ou autre, mais qui va avoir une charge créative dans cette équipe comme il l'avait un peu à Lyon. Et je vois ça insuffisant pour aller concurrencer ce qui est pour moi effectivement le favori, l'Atlético, voire le Real Madrid. Et je vois le FC Barcelone, voilà, cet ordre il est pas mal, même si je vois l'Atlético premier. Je vois le FC Barcelone finir dans le top 4, mais avoir quand même un manque offensivement. Pour l'instant, l'attaque à côté de Memphis est Braithwaite. Ouais. Et tu fais bien dire et parce qu'aujourd'hui, c'est pas qui, parce que Ansu Fati, pour l'instant. Le retour, il n'est pas encore acté. Il revient la semaine prochaine. Il revient la semaine prochaine. Contre Grenade. Voilà. Mais dans quel état exactement? Coutinho, il revient d'un an quasiment de galère. Tu as qui? Tu as De Jong qui vient d'arriver. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, il y a une inconnue par rapport au dispositif que va mettre en place Ronald Koeman. D'ailleurs, il a dit dans l'interview, aujourd'hui, notre secteur offensif est démuni. T'as pas Fati qui est sur le retour, t'as pas Dembélé, t'as pas Agüero.
Et à côté de Agüero, ça, t'as Demir qui vient d'arriver du Rapid Vienne, qui était prévu pour le Barça B, mais parce que Lionel Messi et Antoine Griezmann sont partis, il est monté en équipe première. Mm. Et tu connais pas sa capacité à réagir à 18 ans quant à l'exigence de la Liga, quant à l'exigence du Barça en lui-même. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus quant à la manière dont le Barça va accompagner son trio offensif, voire son duo offensif. Parce que Koeman l'a encore évoqué, il n'écarte pas un 3-5-2, par exemple. Qui a fait ses preuves la saison dernière. Lui, il a dit, il a été catégorique. C'est avec le 3-5-2 qu'il a eu les meilleurs résultats. Et les meilleurs contenus aussi. Pour le coup, Memphis sait jouer dans ce dispo. Il l'a fait à Lyon. Bah, il l'a surtout fait Pays-Bas. Dans une position axiale et aux Pays-Bas. Donc là-dessus, de toute façon… Vous avez encore des doutes. Hein. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de votes. Là. Je pense que vous ne mouillez pas trop. Après, si je peux me permettre… Plutôt non. On est pour nos Winamis. Si je peux me permettre, pour aller un peu dans le sens des Winamis, même si moi j'irais le plus sur le oui, Memphis Depay, c'est un joueur fantastique, mais aussi fantasque, qui, avec l'OL, a eu des périodes d'irrégularité, y compris la saison dernière, au cœur d'une saison où il est réprochable, parce que 20 buts, 12 passes décisives, plus la charge créative qu'il avait, c'était évidemment très très fort. Mais il avait des périodes, et tu t'en souviens très bien, Sofiane, où il enchaînait des matchs avec un déchet monstre. Et au FC Barcelone, avec autant de charges créatives, avec autant de responsabilités, peut-être que ces matchs-là, ils passeront moins, ou ils pourront moins passer à la trappe que quand il les fait à l'OL. Donc il va falloir qu'il fasse attention sur l'exigence de ce genre de club et de ce genre de responsabilité, c'est d'être excellent régulièrement. Tu peux faire match excellent, match très bon, tu peux pas faire match excellent, match très bon, match moyen, mauvais match. Ouais. Et c'est là où Memphis va être attendu pour moi, pour ma part, pour l'avoir suivi, c'est sur cette régularité à tout temps et gommer parfois ces séries de matchs où il y a beaucoup de déchets. Et tu as évoqué un adjectif qui colle à la figure de Memphis Depay, c'est fantasque. Aujourd'hui, quand on parle de Memphis Depay, c'est l'adjectif qui revient. On doute encore de la capacité qu'a Memphis Depay à te livrer une saison où il sera irréprochable. Mm-hmm. Parce que voilà, on a encore des images de l'Olympique Lyonnais, et là, tu as une caisse de résonance qui est différente. C'est ce qui le sépare des tops. Ça le sépare des tops pour l'instant. Mm-hmm. Et donc, il faudra voir comment Memphis Depay, du mois d'août au mois de juin de la saison de l'année prochaine, comment il va réagir. Memphis Depay au Barça, ce sera un des feuilletons de la saison. Voilà, plutôt oui, ça a basculé un petit peu du coup dans les dernières secondes. Fiable sur toute la saison, plutôt oui. On en discutera bien sûr, mais on a retenu, il préfère. Nos amis voient plutôt Atlético de Madrid à 3,60. Ah oui, pour moi, aujourd'hui, l'Atlético est favori de l'Europe. Je pense qu'on est OK sur ça. C'est le seul club de Liga parmi les gros qui a fait un mercato ambitieux. Ils ont mis les moyens, ils sont renforcés. L'Atlético a fait un mercato de renforcement. Pour X raisons, le Real, parce qu'ils ont attendu jusqu'au 31 août à tort. Le Barça, parce qu'ils croulaient sous les dettes. Ils n'ont pas pu se renforcer. Bien sûr. L'Atlético n'est pas dans cette optique. Il n'a perdu aucun joueur majeur. Exactement. Saul. Saul, mais encore, c'était un joueur de rotation. Et vu le Saul de dernière saison, voilà. Et c'est renforcé avec Rodrigo De Paul au milieu de terrain, qui est un très bon joueur. Mateus Cunha. Ouais. Antoine Griezmann. Ah oui, donc, bien. Là, bah c'est bien. Offensivement, il y a des choses à faire offensivement. Prochain match, Elton, du Barça. Le Bayern. C'est pas mal. Hein. Ouais. Semaine prochaine, et oui, le Barça joue pas ce week-end. Ils ont obtenu le report, si je dis pas de bêtises. Ouais, le report en raison par rapport aux internationaux sud-américains. Sud-américains. Qui est une belle farce aussi, parce qu'en Ligue 1, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont être. Oui, Paris, Lyon notamment. Ouais, mais d'ailleurs, il y a eu un conflit. Donc le Barça, prochain match, mercredi ou mardi ? Mardi prochain contre le Bayern à domicile, ça va être chaud. C'est ça. Ça va être chaud. Voilà, on a fait le tour sur Memphis Barça. Merci. Il y a Chris qui se fout ta gueule parce que t'as dit Saul. C'est vrai que ça m'a un peu titillé. Saoul. Ah, en plus, t'es un espagnol. C'est parce que j'ai regardé Better Call Saul. Ou Ben Oncle Saul. C'est autre chose aussi. Ouais, c'est ou Saul Campbell. Parce que Better Call Saul, ça s'écrit de la même manière que Saoul. Exactement. Mais c'est Saoul, hein, si tu préfères. On est pratiquement 300 sur YouTube. Il y a du monde, ça fait plaisir pour un jour. Bon, merci. Des petits pouces sur YouTube. Et on salue ceux qui nous écoutent aussi en podcast audio si vous allez au travail. Je sais pas, si vous êtes chez vous, tout simplement. Ou encore en vacances, il y en a qui sont encore en vacances en septembre. Et ils ont bien raison. Ouais. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Mais, ah ouais, ouais. Ouais, je sais d'être pas, en vacances en septembre. Ouais, en septembre, je trouve que c'est. Ah ouais ? Il y a quelque chose qui va pas. Merde, j'annule les miennes alors. Ah, tu pars ? Non, tu pars pas. Je vais à Lyon ce week-end, quoi. Voilà. On a fait le tour Memphis Barça, on va parler de Camavinga qui arrive au Real Madrid. Il y a des choses à dire aussi sur Camavinga et le Real tout de suite en place au terrain. Vas-y, Sofiane, juste pour répondre à Chris Blazikowski, notamment par rapport au Barça, ça concerne aussi Séville. Séville, il y a énormément de joueurs sud-am, donc raison pour laquelle on a privilégié le report. Mais il faut savoir que
Encore une fois, il y a un conflit entre la LFP et la fédération, qui ne sont pas d'accord notamment sur le report, parce qu'il y a, une partie qui juge que ça peut être, c'est inéquitable, et donc ils planchent déjà sur la prochaine trêve internationale, où là ce serait le Real et l'Atlético qui bénéficieraient d'un report. Ok, merci pour ces précisions, maître Vergès. On est là pour ça. Camavinga au Real Madrid, seule signature du Real cet été finalement, si je ne dis pas de bêtises. À la bas, mais c'est... Si. Ouais, à la bas, gratos. Voilà, 30 millions d'euros pour Camavinga qui a été présenté aujourd'hui, magnifique les photos. Ah oui. Tout en blanc, chaussettes, chaussures, incroyable. Et très touchant, avec son papa, Camavinga. En plus, ouais. Très touchant, Camavinga. Ouais, moi j'aime beaucoup ce mec, ouais. Je pense que ça va le faire. Continue d'être comme ça, gamin. D'ailleurs, je vous renvoie au trait de Bilal Achourtani qui avait consacré un podcast à Camavinga et son ascension, magnifique. Bien sûr, Camavinga formé à Rennes, hein, pour ceux qui avaient oublié, puisqu'il a finalement l'année dernière, il a passé la saison un petit peu comme pas un fantôme, ce serait méchant de le dire. C'était pas la flamboyance de la première saison. C'est quoi le terme basket, le rookie wall? Est-ce qu'on pourrait l'appliquer? On pourrait l'appliquer, mais c'était ça. Techniquement, c'était sa sophomore season. C'était sa deuxième saison. Ouais. En fait, le rookie wall, concrètement, au basket, c'est quand un rookie commence en NBA. Et en général, il peut commencer fort s'il a des qualités. Ouais. Mais au bout d'un moment dans la saison, il va manger le rookie wall, c'est-à-dire qu'il va enchaîner les matchs compliqués, ou va faire des statistiques de merde, faire des mauvais matchs. Parce que le rythme de la Ligue des Grands, c'est tu joues tous les deux jours quand c'est pas tous les jours. Et qu'à un moment, tu te prends le mur dans la gueule. Et l'expression n'est pas bête, même si c'est plus sa saison rookie, c'est l'expression n'est pas bête. Est-ce que tu penses que c'est ça, c'est fatigue psychologique et physique? Je pense qu'il y a ça psychologique plus que physique. Psychologique pour moi. Mmh, tu es d'accord. Je pense que le passage. Allez-y, vous pouvez y aller. Parce que moi, je pense que le passage équipe de France a fait du mal, mais pas de manière directe, mais indirectement à Camavinga, pour la simple et bonne raison. Et d'ailleurs, on en parlait au moment d'évoquer les perfs de Tchouaméni. Je pense que ça n'a pas aidé Camavinga. Non, pas qu'il n'aurait pas dû être sélectionné en équipe de France, attention. Et il marque en plus. Exactement. Mais le regard porté sur toi est différent dès lors que tu intègres l'équipe de France. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas jouer avec Rennes, ce n'est pas Camavinga, le jeune espoir du centre de formation de Rennes qui est là, c'est international espoir qui est potentiellement partant vers un top club étranger. Et donc le regard a été différent. Et il se trouve qu'il a été engagé... il est dans un club qui a été engagé dans une saison qui a été historique. Ouais. Donc, apprentissage de la Ligue des Champions. Si vous voulez, pour moi, la crise de croissance du Stade Rennais, tu peux la lire à travers Camavinga. Ouais. Je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Rennes a découvert la Ligue des Champions, avec une préparation, une méthodologie différente quant à la manière d'attaquer une saison, ça a coûté quand même le départ de Stéphane. Mm-hmm. Je pense que Camavinga, il a ressenti ça, à savoir que tous les trois jours, t'as attendu. T'as attendu à Stamford Bridge, t'as attendu à Séville, t'as attendu sur les matchs de Ligue 1, tu peux pas faire l'impasse. Il va demander ça à un joueur de 18 ans, c'est quand même compliqué. Fallait faire le petit rôle de la digestion, tu vois. Oui, oui. Fallait libérer. Et il fait bien de dire qu'il était attendu, parce que le Stade Rennais était attendu et avait des ambitions. Je me souviens, le début de saison dernière, le Stade Rennais avait des ambitions élevées. Déjà de refaire top 4, on va dire, et ensuite, en découvrant la Champions League, de montrer des belles choses. Et on se souvient que le début de saison du Stade Rennais, suite à la dynamique de la saison d'avant, où ils finissent 3e au bout de 28 journées, on se souvient que le début de saison du Stade Rennais était très bon, qu'ils ont vite enchaîné les victoires, mais que, comme Camavinga, et t'as bien fait de contextualiser, ils sont eux aussi vite mangé un mur, le mur des réalités. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'équipe s'est rendu compte qu'il lui manquait pas mal de choses pour pouvoir aspirer à jouer les grands en championnat et en plus jouer la Champions League dans un groupe où, et Sofiane va se faire un plaisir de le rappeler, mine de rien, Rennes, même si c'était leur première participation, Rennes a déçu. Rennes a vraiment déçu. Oui, oui. Parce que finir derrière Chelsea et Séville, ça s'entend. Finir derrière Krasnodar, avec des matchs où tu as pu voir que Rennes était intrinsèquement supérieur à Krasnodar, ça a été une déception. Donc ça a été une équipe qui a vite été dans une spirale très négative dans les résultats médiatiquement. Et c'est vrai que Camavinga, lui qui était très attendu, ça change un peu votre vision de lui ou pas? Parce ça ne change pas la vision de lui, mais il arrive avec moins de certitude et un autre statut. Après, ouais. Il arrive avec moins de certitude un autre statut dû à cette saison pour moi. Ouais, c'est pour ça qu'il est à 30 au lieu de 60. Tant que ça n'écorche pas sa confiance, après, c'est... Et après, on parle d'un joueur qui, alors qu'il était en situation entre guillemets d'échec, et je mets bien entre guillemets d'échec, parce qu'encore une fois, il faut quand même rappeler son âge, faut rappeler l'exigence propre au Stade Rennais, il n'a pas pu s'appuyer notamment sur un entraîneur qui aurait pu le cornaquer, qui aurait pu le remettre sur le droit chemin, entre guillemets, précisément parce que Stéphane, lui aussi, il n'arrivait pas à trouver les clés pour redonner du dynamisme au Stade Rennais. Et donc, par rapport à ça, il n'a pas pu être aidé. Genesio est arrivé, il a amélioré de manière sensible l'équipe, et je dis bien de manière sensible, sans pour autant que Camavinga reparte à la hausse.
Habib Diallo qui nous parle d'Odegaard. T'inquiète pas, on va faire la liste des milieux qui n'ont pas résisté à trio. Et pour l'agent de Camavinga, c'est... Il y a eu un changement d'agent. Le mythique... Oui, parce que ça, c'est un élément très important. Il était chez Moussa Sissoko avant. Ouais. Ah, il est plus chez Sissoko. C'est le mythique Jonathan Barnett. D'accord. La saison dernière, justement, ça a fait partie du bruit autour de Camavinga. C'est qu'au milieu de tout ça, il y avait l'histoire de sa prolongation de contrat, parce qu'il allait lui rester qu'un an de contrat à l'issue de la saison. En prolongation de contrat qui était probable et qui au final s'est transformé de probable en impossible. Et il y a eu ce changement d'agent qui avait fait parler, c'est-à-dire qu'il était chez Moussa Sissoko. Et là, il est parti chez Classe Internationale. Son père qui avait repris un petit peu les affaires. Et effectivement. Là, il est chez Stellar Group avec Barnett, qui est notamment l'agent de Gareth Bale. On pose la question à nos amis dans le chat après cette petite intro sur Camavinga. C'est négocier des deals. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Camavinga au Real Madrid? Bonne ou mauvaise idée? On se positionne du côté du Real pour le moment. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée pour le Real Madrid ou une mauvaise idée? 30 millions, je rappelle, il restait un an de contrat à Rennes. C'est ça. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Bonne ou mauvaise idée pour vous? Du côté du Real? Ouais. Moi, je pense que du côté du Real, c'est une bonne idée parce que... Une bonne idée, mais je vais mettre une condition. Une bonne idée parce que le Real Madrid s'achète un espoir, plus qu'un espoir, considéré comme un crack, parce que sélectionné à 17 ans en équipe de France et premier but de la première sélection, c'est rare, c'est une sélection très fournie. Un crack français, un espoir avec une grosse marge de progression dans un secteur où ça fait longtemps qu'on demande une revitalisation du secteur et l'arrivée de nouveaux joueurs pouvant être du pédigré Real Madrid. Pédigré Real Madrid, c'est le top, top niveau parce que tu succèdes à Kroos et Modric dans le secteur de relayeur, excusez-moi du peu. Et donc, je pense que c'est une bonne idée pour le Real Madrid. Pour Camavinga, on y viendra peut-être plus tard, mais c'est une bonne idée pour le Real à une condition, c'est que le Real ait une politique, et ça va aussi dépendre du sportif et d'Ancelotti, de rotation, de réinjection de nouvelles forces et de confiance à ce genre de joueurs et de jeunes différentes du passé. Parce qu'on va le citer, le Real Madrid, il y a eu beaucoup de milieux de terrain qui sont venus, il y a beaucoup, au-delà des milieux de terrain, de jeunes crack de jeunes avec gros potentiel qui sont venus avec l'ambition prendre la suite de Kroos ou Modric qui se sont cassés les dents. On va les voir tout à l'heure, mais il y a du Ceballos, il y a du Kovacic, il y a du Odegaard qui a dû partir à Arsenal cet été et qui était là depuis longtemps, qui enchaînait les prêts. Sur d'autres postes, tu as du Kubo par exemple aussi, qui est venu et qui au final doit se résoudre à enchaîner les prêts et probablement n'a aucun avenir au Real Madrid. Donc le Real Madrid doit lui faire une place particulière et non pas faire ce qu'on va appeler vulgairement de l'élevage de jeunes talents, c'est-à-dire on prend le plus de jeunes talents et s'il y en a un qui explose, tant mieux, sinon tant pis. C'est pas comme ça, il faut mettre une politique en place pour faire grandir le joueur, pour lui donner du temps de jeu et pour qu'il entre dans la rotation. Donc si c'est le cas, je pense que c'est une bonne idée, je pense que le Real Madrid a tout à gagner en prenant une étoile du foot européen. Qu'est-ce que t'en penses toi pour le Real Madrid? J'ai l'impression moi qu'ils nous font ce coup-là du jeune à intégrer, qu'ils y arrivent jamais au final, et moi j'espère que ça va bien se passer, mais j'ai... De plus en plus de doutes. Ça demande un savoir-faire parce qu'aujourd'hui, pour moi, Camavinga, je dis bien aujourd'hui, Camavinga n'est pas prêt pour être un joueur du Real qui va jouer 60 matchs, bien évidemment. Le Real a pris une promesse pour en faire une réalité à moyen-long terme. Et ça, c'est le but du Real parce qu'on voit notamment à travers la politique sportive, on a pris énormément de jeunes. Il y a une redéfinition du projet durant l'année 2013 avec notamment Juni Calafate qui est responsable recrutement du Real. Donc on a investi notamment sur le marché des jeunes avec notamment les noms qu'a évoqué Yanis, Kovacic, Ceballos, Odegaard. En soi, je trouve ça intéressant. Oui, ça peut être intéressant parce que, un, tu as l'aspect sportif. L'aspect sportif, c'est quoi? Tu prends des potentiels espoirs qui peuvent exploser à court terme, mais si ça ne marche pas, parce que financièrement, tu peux avoir une plus-value. Un Ceballos, par exemple, aujourd'hui on rigole, mais quand il arrive du Bétis, il est énorme. Non, mais, même avec la sélection, non, le contexte définit les choses. Ceballos arrive au Real, il est finaliste espoir. Bien sûr. C'est le meilleur joueur. Il est même MVP de la compétition. Donc attention, on ne parle pas d'un joueur. Mais en termes de certitude, tu es au-dessus de Camavinga à ce moment-là, par exemple. Exactement. Donc raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une réalité. Parce que là, on parle de quoi? On parle de joueurs qui doivent se chercher, en fait. Des joueurs qui doivent se chercher individuellement, qui doivent parfaire leur formation, et tu arrives à une réalité, à savoir que le Real t'exige un rendement immédiat. Et c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que d'un autre côté, tu dois avoir un entraîneur qui doit travailler sur le matériel humain, c'est-à-dire amener un joueur à progresser, à être une réalité, et de l'autre côté, tu as l'exigence réelle qui te demande quoi? Tu dois être performant tous les trois jours. Et c'est précisément là où il y a eu des manques, notamment du côté du Real, parce qu'on va arriver à quoi? On va arriver à la CMK, où justement, on a demandé à des joueurs comme Ceballos, comme Odegaard, entre guillemets, de faire l'intérim, mais dans des contextes complètement différents. Je vais te donner le cas de Ceballos. Il y a une semaine, on lui demandait de faire
relayeur à la place de Modric ou Toni Kroos, une semaine après, on lui dit, ouais, à la place de Casemiro. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas travailler sur le temps long. Ils font les couteaux suisses. Ouais, ils font les couteaux suisses et ce n'est pas propice à leur épanouissement. Mmh. Je dis bien d'un point de vue individuel parce que d'un point de vue collectif, quand on regarde l'exigence réelle, et une exigence, c'est quoi? C'est gagner tous les trois jours. Donc, et avoir les outils pour arriver à ça. Plutôt bonne idée pour le Real Madrid pour vous à 76%, ça fait pas mal pour nos Winamis. Il y a MVNDVRIN, c'est dur à dire ça, qui nous dit Ancelotti pour Camavinga, c'est une bonne idée. Et on nous parlait de Zidane aussi, c'est plutôt de la faute de Zidane qui n'a pas su intégrer. C'est vrai que dans cette période, il fin de saison dernière, le milieu de terrain est sur les rotules dans le début. Oui, Zidane, il tue. Il n'y a que Valverde à un moment qui réussit un peu. Et qui se blesse. Et au final, parce que Valverde répondait à une logique, il est apporté un profil différent par sa capacité à couvrir énormément de terrain, par sa capacité à faire des courses que ne peut pas faire par exemple un Toni Kroos, un Luka Modric un peu moins en raison de son âge. Donc il est apporté une variété tactique. Et donc sur des joueurs qui, entre guillemets, d'un profil plus technique comme Odegaard, ils ont besoin d'un cadre beaucoup plus défini, parce qu'Odegaard, on l'a bien vu, et ça n'a pas collé avec Zidane, parce qu'il demandait un cadre collectif, et Zidane ne voulait pas lui donner forcément beaucoup de responsabilités. On s'est mis du côté du Real Madrid, donc plutôt bonne idée pour vous, et si on se met du côté du joueur, forcément le Real, ça fait rêver, il en a parlé, on va regarder la déclaration de Camavinga tout à l'heure, très émouvant avec son papa à ce moment-là, Florentino Pérez bien sûr. L'argent n'est pas le plus important, c'est le plaisir de réaliser un rêve d'enfant, je n'ai pas réfléchi à deux fois, quand j'ai su que je pouvais signer au Real Madrid. Évidemment que ça ne se refuse pas. Oui. Le Real Madrid vient, tu y vas. Moi, j'y vais. Oui, évidemment. Je donne de l'argent, même s'il faut. Mais est-ce que si tu te places de manière cynique, est-ce que c'est un bon choix pour le joueur? C'est le grand saut. Donc, il y a une part de risque qui est inévitable et qui est très importante. On a parlé là, de cette machine à laver ou à essorer les talents du Real Madrid au milieu de terrain. Camavinga, il a besoin de continuité, de continuité sportive et d'une progression classique, on va dire. Là, au Real Madrid, ça risque d'être un peu plus difficile, dans le sens où déjà, son premier défi, ça va être de s'adapter et d'avoir du temps de jeu. On lui a posé la question en conférence de presse, s'il venait et qu'il pensait avoir un temps d'adaptation ou s'il venait pour être titulaire. Et il a avoué très simplement qu'il savait pas s'il allait avoir un temps d'adaptation, qu'il en aurait sûrement, mais qu'il savait que ça allait devoir être crescendo. À ce moment-là, c'est bien d'avoir la tête sur les épaules, mais il faut aussi être bien accroché et réussir à être performant quand on te donne la chance. Parce que Kroos, Modric, ce sont des joueurs d'une classe internationale. Ah oui. Ce sont des joueurs qui, pour moi, de plus en plus, doivent être remplacés ou en tout cas doivent être mis en concurrence par des joueurs plus jeunes pour redynamiser ce milieu de terrain. L'an dernier, il y avait beaucoup trop de matchs pour eux, c'était de plus en plus difficile. Le problème étant que avoir de la continuité, C'est une situation, position un peu bâtarde, parce qu'avoir de la continuité en doublure, c'est difficile, surtout si les joueurs titulaires enchaînent. Mais d'un côté également, tu as des joueurs qui peuvent aussi prendre la place de Kroos Modric, qui sont concurrents de Camavinga. C'est-à-dire qu'en doublure de Kroos Modric, tu peux avoir Ceballos, tu peux avoir Valverde, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc même là, il va y avoir une concurrence assez importante. Sur une position de libéro du milieu à la place de Casemiro, je ne le vois pas, alors il faut une organisation différente. Donc c'est un gros risque. C'est un joueur qui a l'air d'avoir la tête vraiment bien faite, donc ça, c'est une très très bonne chose. Maintenant, pour moi, la question majeure sur sa réussite et sur la qualité de sa saison, ça va être, sur son temps de jeu, est-ce que c'est une demande de Carlo Ancelotti? Comment Carlo Ancelotti apprécie-t-il énormément le joueur? Ouais. Si Carlo Ancelotti apprécie beaucoup le joueur et souhaite le voir et le prend sous son aile, on sait que Carlo, il est capable de prendre sous son aile ce genre de joueur et de lui donner du temps de jeu. Beaucoup plus que je pense que Zidane, qui ne changeait jamais son milieu de terrain. Donc Ancelotti peut l'aider et peut être son meilleur allié pour pouvoir avoir une saison réussie, une saison où il progresse. Maintenant, moi, je suis curieux de savoir si Carletto voulait vraiment ce joueur. Projet club. Ouais. C'est un projet club. Et ça, c'est le risque. On va poser la question à nos Winamis, encore une fois, les amis. Casemiro, Modric, Kroos, est-ce que pour vous, c'est trio impossible à déloger? Cette saison, on va rester sur cette saison. C'est impossible à déloger, Sofiane, je l'avais dit en façon troll après son but contre, c'était qui? Contre la Macédoine. À savoir que Camavinga, il allait se battre avec Casemiro. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Camavinga n'est pas un joueur prêt pour jouer 60 matchs au Real. Aujourd'hui, la SMK est un trio qui est difficile à bouger parce qu'il y a un historique qui parle pour eux. Regarde, on va voir la liste des joueurs. Regardons la liste des milieux de terrain qui sont passés par le Real au moment de ce trio, ce fameux trio. Et regardez, il y en a qui n'ont pas résisté, bien sûr. Si on peut afficher ça, il y a Matteo Kovacic, bien sûr, dans le désordre. Martin Odegaard, Dani Ceballos,
Marcos Llorente, vous pouvez même en rajouter. Ouais. Il y a un historique qui parle pour eux et qui fait que, aux yeux des entraîneurs type Zidane ou Ancelotti, c'est très difficile de déloger ce trio. Et donc, par rapport à ça, les joueurs, ils font office de complément. Donc, ça va être tout le challenge, notamment de Camavinga et de Carlo Ancelotti, trouver des alternatives à ce trio-là. Mais aujourd'hui, dès que le trio est fit, ça ne bouge pas. Eux, ils cherchent le résultat et la sûreté. Les entraîneurs au Real Madrid, ils veulent être sûrs de ce qu'ils vont avoir sur le terrain. C'est le cœur de la structure, parce qu'on parle de joueurs qui t'apportent un rendement immédiat. Casemiro, par sa capacité à être le joueur qui va t'apporter cette couverture de terrain, sa science du placement. Toni Kroos, par sa capacité à harmoniser l'attaque madrilène, on sait très bien qu'il est très important. Luka Modric, par sa capacité à équilibrer l'équipe dans le camp adverse, en touchant les ailiers, en, en touchant son latéral, en étant capable d'esquiver son vis-à-vis. Pour toutes ces raisons-là, ce trio est aujourd'hui imbougeable. Mais maintenant, c'est aux remplaçants d'apporter une alternative, en sachant qu'ils sont sur un schéma très réduit. On, on a un échantillon de matchs, on doit prouver dans des contextes différents. Encore une fois, Camavinga, il ne va pas jouer dans un rôle spécifique. Camavinga, il va d'un côté faire souffler Toni Kroos, de l'autre, Luka Modric, de l'autre, Casemiro. Donc, à chaque fois, il y aura une schizophrénie footballistique qui va faire que le joueur, il va devoir s'y retrouver. Pour vous, plutôt difficile à déloger. Regardons ce que ça donne au niveau du 11. Tu veux dire un truc, Yanis? Non, ça va être complémentaire avec le 11. Parce qu'il y a du monde au milieu de terrain. Regardons juste milieu, Yanis. Casemiro, Camavinga, même si Camavinga préfère dans une position de 8. Mais il a dit qu'il pouvait jouer devant la défense, donc on l'a mis là. T'as Modric, t'as Valverde, t'as Arribas, le petit jeune, t'as Kroos, Isco, Blanco, Ceballos qui va partir. Ça a été précisé dans le chat, il a totalement raison en janvier. Donc c'est pour ça que j'ai mis Blanco devant, qui devrait d'ailleurs jouer ce week-end. Ouais, parce que faut savoir. Il y a du monde. Hein. Bah, regarde, typiquement, le match contre le Celta Vigo, on est déjà sur la problématique que j'ai évoquée. À partir du moment où Casemiro n'est pas là, donc on aura besoin du côté du Real d'avoir un joueur qui va faire office de Casemiro. Et là, c'est typiquement le contexte que j'ai évoqué pour Camavinga, à savoir qu'il pourrait très bien commencer. Bon, il ne va pas commencer contre le Celta, bien évidemment pour moi, mais c'est pour te montrer une idée, à savoir que dès lors qu'il y a l'un des trois piliers qui n'est pas là, et ben, tout de suite, tu dois être là. Et Yanis, on ne peut décemment, pour répondre à cette question, on ne peut décemment de toute façon pas attendre d'un joueur qui n'arrivait pas à être titulaire à Rennes la saison dernière, parce que c'était le cas, il n'arrivait pas à s'imposer comme titulaire à Rennes de manière indiquée la saison dernière, à ce qu'il soit la saison suivante titulaire au Real Madrid à 18-19 ans. C'est évidemment, ce serait indécent de le penser, de l'imaginer. Donc bien sûr que ce milieu de terrain titulaire, il va encore l'être cette saison. Et l'enjeu, Elton, tu l'as très bien souligné, ça va être d'être capable de répondre aux demandes sur de manière périodique, sur des rôles différents. Ouais, il est sur un stage de troisième, le gars. Tu vas être touche à tout. Et il va falloir être capable d'apprendre vite, parce qu'au Real Madrid, on va t'appeler, on va te demander de jouer tel match titulaire parce qu'on va faire souffler tel joueur. Au Real Madrid, on va te demander d'être tout de suite bon. Ouais. Et là où Rennes, tu peux faire des matchs un peu moyens et passer au travers, au Real Madrid, si tu n'y arrives pas, tu vas vite perdre des places dans la hiérarchie. Donc le défi, il est immense devant Camavinga. Évidemment, comme tu l'as dit, c'est un projet club. Donc Camavinga, il ne sera pas jugé au bout de la première saison. Mais le Real Madrid, c'est aussi un club impatient. Et c'est un club qui a cette capacité, lorsqu'il a un talent, mais qui sur la première saison n'a pas réussi à montrer tout ce dont le club attend, n'a pas réussi à montrer assez d'étincelles. C'est un club qui est capable de, si la saison prochaine il y a une nouvelle lubie en Espagne, un numéro 6-8 de très grande qualité qui est disponible pour le Real, ils sont capables d'aller le prendre directement. Non, mais je vais te donner un élément concret. Paul Pogba est libre en janvier. Bien sûr. Si le Real saute là-dessus. Ça change complètement la dynamique. Et le Real sautera dessus, libre. Non, mais voilà. Non, mais c'est pour te montrer que ça peut changer complètement la dynamique d'un joueur. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Après, il faut penser une chose, c'est que pour moi, je pense effectivement, et j'ai lu dans le chat, que Modric n'en a plus pour très longtemps et qu'on est peut-être sur sa dernière saison en tant que titulaire au Real Madrid. Le temps de jeu pourrait venir à être amoindri. Dans un club comme le Real Madrid, le risque, c'est que la fenêtre, elle est là, mais que la fenêtre, même si tu as un projet club, s'il y a un autre lubie qui arrive, bah, tu peux passer derrière. Et on a cité tous les joueurs qui avaient beaucoup de talent, qui étaient des projets du club et qui n'ont pas réussi à s'imposer dans l'effectif. Il y en a beaucoup. Alors maintenant, ce qui serait bien pour lui, et je pense que c'est le cas, parce qu'il a l'air de beaucoup l'apprécier, c'est si la Florentino Pérez
derrière lui. Parce que Florentino Pérez, on sait qu'il a ses joueurs chouchous. On sait que Florentino Pérez, il a été d'une grande aide, par exemple, pour Karim Benzema. Mm-hmm. Quand à ses débuts, c'était pas concluant. Donc, dans un club aussi politique, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et effectivement, de toute façon, je lui souhaite que de réussir parce que c'est un joueur quand même qui a beaucoup de qualité et qui est très attachant. Et sa tête peut. Le fait d'avoir une tête bien formée, je pense, peut énormément aider. Après, il faut savoir de quoi on parle. Vas-y, ouais. Camavinga est prédestiné pour être un joueur qui peut être important dans la hiérarchie du football mondial. Mmh. À un moment donné, ce type de défi, il va être confronté. Bien sûr. Donc, s'il est confronté rapidement à ce type de défi, est-ce qu'il sera prêt mentalement ? Ça, l'histoire le dira. Mais par rapport à ça, il est bien conscient qu'à un moment donné, il y a un défi qui est d'envergure, il va falloir qu'il le passe. Ça prendra peut-être du temps. Est-ce qu'il est trop tôt ? Ça sera peut-être trop tôt, mais s'il se destine à être un joueur qui veut marquer l'histoire du Real sur le moyen long terme, ça passe par ce type d'épreuve. Et donc, par rapport à ça, oui, il va devoir y passer. Ça va être très compliqué, j'en conviens, parce que Casemiro, Modric, Toni Kroos, on peut dire ce qu'on veut, ils ont écrit l'histoire récente du Real. Mais par rapport à ça, ils savaient où ils mettaient les pieds. Et donc, ça va être compliqué, mais encore une fois, il est là pour ça, pour apprendre, parce qu'il a dit il va prendre les minutes qui restent. Camavinga au Real Madrid, ça fera partie peut-être des belles histoires de la saison. Le Real Madrid, on a affiché la cote tout à l'heure, qui est favori à la Liga. Vous avez vu le 11. Est-ce que pour vous, c'est un 11 de favori ? Pour nos amis, non. C'est plutôt l'Atlético de Madrid. Ouais. On suivra ça, bien évidemment. Le Real qui joue contre qui ce week-end ? Celta Vigo. Contre le Chachucude. Celta, exactement. Celta, ça se passe bien début de saison ? Celta, ouais. Le match à Osasuna a été compliqué. Un bon match contre l'Atlético, mais ils ont perdu. Mais tu as besoin de points. En plus, tu as une défense qui ne rassure pas. Mm. Donc, faudra voir qu'est-ce que ça va donner contre le Real. Mais inquiet. Hein. T'es plutôt inquiet. Ouais, C'est pas le premier match au Bernabeu depuis premier le retour. Premier match au Bernabeu, ouais. Bernabeu en construction encore. C'est la fin du terrain FIFA 2000. Ouais, c'est la fin, donc c'est pour ça que ça va être intéressant. Valdebebas, non mais c'est sympa, mais au bout d'un moment... Les demi-finales de Champions League à Valdebebas... Moi, je vais vous expliquer un truc. Ça a été globalement très sous-estimé dans la période un peu... Ils vont chercher une Liga là-bas. Ils vont chercher une Liga. Non mais vous me racontez l'histoire de travaux comme vous voulez. Pour moi, le Real, c'est comme Sampras ou Federer à Wimbledon, c'est au Bernabeu, pas dans un stade à côté d'un aéroport. On va retrouver Bernabeu, mais j'avoue que je connais pas la capacité exacte parce qu'il doit y avoir une ou deux tribunes qui en construction. Format réduit. C'est évident, il y a une ou deux tribunes en construction, mais quelles sont les tribunes ouvertes ? J'ai pas le détail. Est-ce que ce sont les... Je sais pas, mais après il y a aussi l'énorme Covid à prendre en compte. Et il y a toujours des. Il y a 10%. Des jauges. 30%, je dirais. Mmh, très bien. On verra ça ce week-end. Ce sera peut-être un sujet du Winamax FC si ça se passe mal pour le Real Madrid. On est pratiquement 300 sur live. Merci les amis de votre présence. Le pouce, absolument. Il n'y a pas assez de pouces sur YouTube. 68 seulement, s'il vous plaît. Là, c'est pas assez, là. Plus haut, s'il vous plaît. Comme ceux qui regardent, vous mettez le pouce. Ouais, il faut absolument mettre, ouais, exactement. Il faut qu'on soit au moins à 150-200 ce soir. On a fait le tour de ces sujets. Memphis, Camavinga. Il y aura un petit extrait de Pascal Gastien à la fin. Restez avec nous. En attendant, vous allez jouer. Et oui, c'est le Club Winamax. Cop Winamax spécial Memphis de paille. Si vous êtes sur les autres chats, venez sur winamax.tv. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Non, rien. Ah, d'accord. Non, mais je disais de paille. Ah, oui, je croyais que tu te foutais de ma gueule. Non, non, ce qui est souvent le cas. Quiz Memphis de paille, Team Yanis ou Team Elton ? Point d'exclamation quiz. Point d'exclamation quiz. Q-U-I-Z. Team Yanis ou Team Elton ? Il y a 3 fois 10 euros de free bet à gagner pour ceux qui parient, bien sûr. Memphis de paille a signé un triplé hier contre la Turquie. Quels sont les trois autres adversaires en Ligue 1 contre qui il a réalisé cette perf ? Metz. Toulouse. Aucun des deux. Trois adversaires en Ligue 1 où Angers. Il a un triplé. Non. Non. Il y en a un évident, Yanis, quand même. Hein. Nice. Saint-Etienne. Nice. Rappelle-toi, le match final. 1-0 attends, pour Elton. Mais... Il en manque deux. Un triplé ou... Trois. Ouais. Les stacks. Un partout. Et le dernier... Petit club dans Ligue 2 maintenant. Toulouse ? Non. Non, je suis con. Herlouf, tu as raison. Nîmes ? Non. Petit club entraîné par un ex. Ah, je crois qu'il s'est fait sauter. Quand ? Un ancien Lyonnais. Dijon. Dijon. David Linares. Ah oui, la première journée de la saison dernière. Il s'est fait éjecter. Garand l'a remplacé pendant la traite. Oui, c'est vrai. Première journée de la saison dernière. 2-1 pour Yanis. Sur la durée. Bah, d'ailleurs, je crois que c'était l'une des premières de Yanis, d'ailleurs. C'est vrai ? Lyon-Dijon ? Ouais, Lyon-Dijon. D'accord. Pas sûr. Pas sûr.
Sur la durée. Ici de son... Ouais, ici. Sur la durée de son passage à l'OL, quel est le joueur de champ avec qui il a le plus Lopez partagé le terrain? Deschamps. Dubois, Marcelo. Marcelo, exactement, 2-2. Oh, Marcelo licencié. Quel plaisir. Toujours pas le cas en vrai. Excusez-moi, j'ai dérapé. Pas du tout. Très content. Marcelo est... licencié, remplacé par Boateng. Qui est l'entraîneur qui a offert sa première sélection à Depay avec les Pays-Bas? Van Gaal. En même temps. Franchement, je peux pas départager. 2-2 toujours. Vrai ou faux, qui a mis le premier point? Elton, c'est Elton. Ouais. Tu prends? Ouais, je prends. La question la plus écœurante du mois, certainement. Je suis d'accord avec Arlou. Mais... Enfin, du mois dernier, du coup. Enfin, de l'été. On va aller plus loin de l'été. Le clip No Love. où a-t-il été tourné? Non, les gars. Non, vous êtes sérieux? La vie t'attend, on va y aller. Non, non, non. Le clip... C'est un vrai faux, t'as une chance sur deux. Le clip No Love de Memphis Depay compte davantage de... C'est... La fin de la question est pire que le début. Super son. Le clip No Love de Memphis Depay compte davantage de vues sur YouTube que Anissa de Weshden. Vrai ou faux? Est-ce que le clip No Love compte plus de vues que celui de Weshden Anissa sur YouTube? Faux. C'est faux, évidemment. Weshden est intouchable. 16 millions de vues contre 90 millions. L'autre, elle a fait 90 millions. Et pourtant, No Love est bien plus qualitatif que... Selon moi. Oui, que Anissa, ouais. Ouais, je préfère No Love. Ouais, il raconte d'ailleurs l'histoire... c'était un clin d'œil à son ex, Laurie Harvey, le clip. Qui est avec un basketteur, non? Non, aujourd'hui, avec Michael B. Jordan, l'acteur. Ouais, d'accord. C'est intéressant. Qui est très, très demandé sur le marché du célibat aux États-Unis. Ouais, très bien, ok. 3-2. Ouais, tu vois le gars, tu comprends, quoi. Après, si t'as vu Creed, tu comprends. Après toi, Yanis, bien évidemment. Aux États-Unis, moi, demandé? Oui, oui, bien sûr. 3-2. J'ai vu ta photo Instagram. 3-2 pour Elton. Yanis, vrai ou faux, Memphis Depay a marqué davantage de buts à Lyon que sur tout le reste de sa carrière en club. En club? Ouais. Plus de buts à Lyon que sur tout le reste de sa carrière. C'est vrai, 76 à 72. Et oui, et oui, et oui. Trois partout. Ça va se jouer sur les CV. Les copains, il y en a trois. J'ai joué avec Memphis en sélection. OK. OK. Et dans ma carrière, j'ai joué avec Eriksen de l'Ajax, Simon Kjær de Fenerbahçe, Mavinga de Toronto et Zlatan Vanderville du PSG, Grégory Vanderville, 4-3 pour Yanis. Qui a aussi très belle compagne. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien de le préciser. Et lui, il est beau aussi, il faut dire la vérité aussi. Ça va. S'il a du style. Ouais, il a du style, plus du style que... J'ai dit ça pour équilibrer, pour pas qu'on ait de problème. j'ai joué avec Memphis en sélection toujours. J'ai joué avec Carlos Tevez à City. Nuno de Jong. Hein? De Jong. Non, Nuno Gomez à Blackburn. Oh. Wijnaldum, c'est dur à dire, Wijnaldum au PSV. Et Thauvin à l'OM. Dire Rekik? Il l'a dit en même temps. Je l'ai commencé à dire en même temps que lui. Il l'a dit un tout. Non. J'ai entendu à ma gauche. Non. Parce que Van Gaal. Dans ce cas-là, Van Gaal, je l'ai dit un peu avant dans ce cas-là. On me dit dans l'oreillette. Elton. Parce que, ouais, bah faut revoir Van Gaal alors. Elton. Ouais. Ça va jouer sur ça. Ouais. Voilà. J'ai joué avec Luis Suarez à l'Ajax. Robben au Real. Schneider. Pirlo. Au Milan, AC Milan, et Draxler à Schalke. Untola, victoire d'Elton dans ce quiz de très haute qualité. Bravo. bravo à toi, Elton. Tu fais gagner trois mecs, trois Winami à 10 euros. On les voit, KinMax, Captain Europa et Cowboys 7. Voilà. Merci, les copains. Merci Yanis, merci Elton, merci en régie également. Merci Winami. À Loïc, la doublette incroyable. Dwight York et Andy Cole. Loïc et Pierre en régie. Merci les amis, merci également à Charlie pour l'aide. Et on va vous laisser. Est-ce qu'on peut mettre le Gastien et couper après? C'est possible ça? On dit au revoir maintenant. On se retrouve demain sur Winamax TV, Winamax FC à 20h, vous avez l'habitude. On vous laisse les copains avec Pascal Gastien, c'est disponible sur YouTube. Allez voir ça, c'est exceptionnel, vraiment. 40 minutes de grande qualité faites par Thomas et par toute la régie, par tout, voilà, toute la technique. C'est de grande qualité et on est très content de vous proposer ce genre de contenu. Pascal Gastien, bonne soirée. Déjà, c'est le schéma qui nous convient le mieux par rapport aux joueurs que j'ai. Ça, c'est la première des choses. Mais après, j'ai l'impression que c'est un schéma qui pose plus de problèmes à l'adversaire aussi, à mon avis.
avec ce joueur, ce joueur, ce faux numéro 10 ou 9,5, comme vous voulez, qui est souvent entre les lignes, qui est capable de créer de l'incertitude chez l'adversaire, plus les deux excentrés qui sont capables de rentrer, plus les latéraux qui sont capables aussi de jouer entre les lignes, ça fait beaucoup de, je pense que ça fait beaucoup d'incertitudes. Voilà, alors, je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, avant les matchs, je marque toujours nous 4-2-3-1 contre eux 4-3-3 sur le tableau et tout, pour qu'ils visualisent bien les choses. Et à un moment donné, je me suis posé la question. J'ai dit, je sais pas en quoi on joue, en fait. En fait, je sais pas en quoi on joue, parce que c'est pas... je pense que c'est l'intelligence des joueurs sur le terrain qui font que vous allez poser des problèmes aux adversaires. Donc, je laisse... Quand on a un ballon, ils sont libres, je les laisse libres, tout en restant toujours équilibré, mais je les laisse libres de créer des choses.